Pour ses détracteurs, c'est sa carrière politique qui est en jeu. Mais Sébastien Kurz nie en bloc. Le chancelier autrichien dément avoir utilisé des fonds gouvernementaux pour s'assurer une couverture médiatique favorable. Quelques bribes de SMS ont été sorties de leur contexte ou déformées, et un dossier criminel a été bâti autour d'elles. Je suis convaincu que ces allégations seront bientôt démontées. Le ministère des Finances ou encore la chancellerie, plusieurs lieux de pouvoir ont été perquisitionnés selon les médias autrichiens. Les allégations remontent à 2016 et à cette époque, Sébastien Kurz n'était pas encore chancelier. Le parquet anticorruption soupçonne que de l'argent public ait été utilisé au profit du parti conservateur. Entre 2016 et 2018, le ministère des Finances, alors aux mains de ce parti, aurait financé des sondages favorables à Sébastien Kurz. Un groupe de médias aurait reçu des paiements en échange de la publication de ses enquêtes d'opinion favorables. 9 autres suspects, ainsi que 3 organisations, sont visés par l'enquête.